Ici, nous sommes à la mare Aujon de Sorède. Le centre de toutes vos réflexions. En fait, oui, le thème de notre atelier, puisqu'on a choisi la mare Aujon pour pouvoir travailler, faire des costumes, faire des grenouilles. Et voilà, on a tout ce qu'il nous faut, tout ce qu'il nous faut ici. Comment vous trouvez cet endroit, Nadia? Moi, je trouve que c'est reposant, parce que c'est quand même ici, bon, dans le bois de la Véquée, il fait calme, il y a des bancs, on peut se reposer, on peut se ressourcer, on peut prendre un livre, s'asseoir sur le banc, lire, enfin, regarder, admirer la nature, voilà. Il y a une mare parce qu'il y a une dépression naturelle, une cuvette, qui ne fait que collecter des eaux de surface, n'est-ce pas? Et alors, pour ce faire, c'est pour ça là, on a eu aussi un débat très souvent avec les gens de Nature et de Protection Serein, qui font un excellent travail, ceci dit. Le débat, faut-il alimenter en eau ou ne faut-il pas alimenter en eau? Non, la voie, il est de côté. Si j'aime ma ville, oui. Oui, parce que c'est quand même une ville aussi qui bouge, où on voit qu'il y a du changement. Et j'espère que les Fieries pourront aussi apporter ce changement et cette positivité qui avait tendance ces dernières années un petit peu à décroître avec la fermeture de la cristallerie du Val-Saint-Lambert, la fermeture de Coquerel, les hauts fourneaux de Coquerel. Donc, on va dire que le climat est un petit peu morose, quoi. Mais bon, il faut se relever et essayer de voir un petit peu positif. Et c'est ce que les Fieries, à mon avis, essayent de faire, de recréer un certain dynamisme et dire, bon, voilà, c'est vrai, il y a peut-être des choses qui ont fermé, mais bon, on peut toujours peut-être essayer de faire autre chose. Et il y a des gens qui ont quand même des idées. Et... Oh, voilà, c'est ici. Ah oui, oui. La grenouille verte, ça fait des amas plus petits. Hein. La grenouille rousse, c'est hein, comme vous avez grands, vu, ouais. C'est énorme. Les crapauds, c'est autre chose encore. Le crapaud, c'est une espèce de chapelet. Donc voilà, nous sommes dans le local des Fieries du comité des locataires. Donc je vais vous présenter mes collègues. Il y a d'abord ici Marine, qui est une des organisatrices et qui fait partie du CAL. Il y a aussi Laura, malheureusement elle est absente aujourd'hui. On a Monique ici. Monique, c'est notre couturière. Donc c'est elle qui s'occupe beaucoup de ce qui va être costume. Les idées, ben, elles viennent de nous toutes. Il y a Angélique. Angélique aura une superbe robe. C'est elle qui aura la robe avec la longue traîne, avec les nénuphars, les grenouilles. Elle aura un beau petit bustier bleu et sera accompagnée de ces quatre enfants qui tiendront la traîne. Ici, nous avons notre ami Marcel. Donc, Marcel fera une des courtisanes de la mare Aujon, puisqu'à la mare Aujon, il y a des bancs et bon, il y a beaucoup d'amoureux qui s'y retrouvent. Là, je fais le jupon pour la robe d'Angélique, pour donner du volume à l'arrière. Un peu comme les robes de marquise, on fait des faux culs, en fait. Des faux culs. Un faux cul, oui. Il y en a qui en ont trop, et il y en a qui on doit en mettre. Quel problème. N'est-ce pas? C'est comme ça que ça s'appelle, des faux culs. J'ai envie de sortir de chez moi et me dire de participer à une activité avec mes enfants, et voilà. Et puis vous avez franchi la porte et qu'est-ce que vous y avez trouvé? La convivialité, un divertissement extraordinaire et des gens super sympas. Voilà, une chouette expérience qui a commencé et dont je suis contente. Voilà.
C'était important cette convivialité? Oui, parce que déjà par rapport à mes enfants, je voulais vraiment leur transmettre un contact humanitaire, je vais dire ça comme ça, et le fait d'échanger avec des personnes et d'apprendre à connaître les gens et sortir de chez soi, je trouvais que c'était enrichissant. Il n'y a pas vraiment beaucoup d'activités. Je veux dire, maintenant, les enfants sont beaucoup chez eux et moi, je voulais vraiment sortir les miens de ce contexte-là, de console à la maison, on ne bouge pas. Non, j'avais vraiment envie de pousser les choses et de leur apprendre des valeurs comme ça, humaines. Angélique, elle habite au-dessus. Elle habite au-dessus, au Roselier, rue Elisabeth. Bah, c'est pas que c'est loin, mais je descends dans le même. Moi, je ne monte pas. Si, quand je vais aller à l'intermarcher, mais... Je suis quand même fort timide, hein. Même si j'en ai pas l'air, je suis fort timide. Mais je pense que ça va aller. De toute façon, Monique me fait des belles choses. Alors, elle sera bien mon manchi, comme on dit, ou alors. Bah, la parade, ce sera fort important, parce que... C'est le but du projet. Ouais. Mais ici, on est un très beau groupe et on fait de très bonnes choses et j'apprends énormément. Je ne vais pas dire parce que ça ne sera pas bien, mais je vais quand même le dire, je rapprends mes gardiennes. Parce que je ne suis pas allée à l'école gardienne, moi. Je n'ai pas fait l'école. Non. J'ai commencé en petite maternelle et la dame, elle était tellement gentille, tellement méchante qu'elle m'avait renfermée dans l'armoire. Alors, je n'ai plus voulu aller à l'école. Et comme à cette époque-là, il y a plus de 50 ans, c'était pas obligatoire comme maintenant. Hein. Alors... Et du coup, là, vous avez l'impression d'être docteur à l'école. Ah oui, mais ici, c'est une école amusante, c'est convivial, c'est super. Super, super. J'ai appris à faire des popos que je n'avais jamais fait de ma vie, pour mettre sur les parapluies, dos sur le mien, pas que je suis égoïste, mais... Charité bien ordonnée commence par soi-même, comme on dit. Et sinon, tout le monde est bien gentil. On se parle comme s'il y avait plus de 20 ans qu'on se connaissait. À la limite, je ne veux pas dire qu'on est tous... On est vraiment... Je vous dis, c'est une ambiance où tout le monde s'est accepté avec ses qualités, ses défauts. On a des moins valides, des plus valides. Bon, moi, je ne suis peut-être pas bonne dans ça, mais on m'apprend. Moi, je peux apprendre mon savoir-vivre aussi un petit peu à tout le monde. Et ça me plaît bien. Et en même temps, je sors un peu de mes quatre murs. Et on a même eu un bébé féerie dans notre groupe. Ah, comment? Le bébé féerie, c'est le petit Mauro. Et c'est mon filleul. C'était Angélique qui devait faire la princesse de la Marougeo, mais seulement elle a eu des problèmes de grossesse. Et c'est ma belle-sœur qui a dû la remplacer. Mais nous, on a quand même dans notre petit groupe un beau bébé féerie. Et c'est mon filleul, c'est le plus beau du monde. Après mon petit-fils. Hein. Non, ne marque pas ça. Hein. Tu aurais imaginé ça? Non, non. Et Angélique, elle me prend comme si j'étais sa maman et elle me laisse faire des choses que j'ai jamais fait. Ben, je ne peux pas le dire, mon fait. Je vais quand même le dire un petit peu. Avec ma belle-fille. Angélique, voilà, vendredi, on est allé au nourrisseau, elle m'a laissé aller avec elle au nourrisseau, elle m'a laissé déshabiller le petit, elle m'a laissé le donner au pédiatre. Je crois qu'elle, elle a gagné, je veux dire, une maman tout en ayant sa maman, et moi j'ai gagné des petits-enfants et une fille adoptive. On est présent sur ce Rhin depuis plus de 15 ans maintenant. On travaille dans le quartier du Moulinet, qui est le quartier du centre culturel de ce Rhin et qui est un des quartiers les plus défavorisés. Et à force de travailler au contact de cette population diversifiée, on s'est rendu compte qu'il y avait un énorme gâchis humain, un potentiel incroyable qui était oublié, voire saccagé, parce que la société actuelle veut des gens qui soient formatés pour correspondre à ce qu'elle a envie de mettre en place, c'est-à-dire des gens qui rentrent dans les cases, qui ont un certain type de culture, un certain type de consommation, etc. Et on se rend compte que tous ceux qui sortent de ces cadres-là sont éjectés et sont parfois considérés comme des surnuméraires. Et là, la société se pénalise énormément en réfléchissant comme ça, puisqu'on voit qu'il y a un potentiel incroyable. Donc nous avons été à la rencontre des Cérésiens dans leur lieu de vie, dans les cafés, dans les quartiers, un peu partout. Nous leur avons parlé d'un projet qui soit positif pour ce Rhin, en
prenant comme prétexte justement une parade qui rassemblerait les Sérésiens. Donc nous leur avons demandé que devrait raconter cette parade, comment ça devrait le raconter, qu'est-ce qui était important. C'est de là que sont nés les quatre thèmes des Fieri-Féeries, car là où nous pensions trouver beaucoup de diversité, il y avait en fait beaucoup d'unanimité sur le fait que la parade devait incarner les quatre fondements de Serein, sans oublier ce que Serein aujourd'hui. Parce que l'histoire c'est important, c'est nos racines, mais le cœur de la vie, c'est le présent. Donc c'est de là que sont nés les quatre thèmes des Fieri. Pour parler de Serein, il faut parler de la Meuse, qui est le cours d'eau sans lequel la ville n'existerait pas. Le cristal, les infrastructures liées au cristal, puisque c'est une des richesses de la ville, des fiertés de la ville. La nature, puisque on le sait peu, et ça, on ne le voit pas souvent, un tiers du territoire sérésien est vert, et ça, c'est très important aux yeux des Sérésiens de le rappeler. Et puis alors, il y a l'industrie et le génie industriel qui symbolisent l'ensemble des savoirs de la ville de Serein. La, 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 la. Checking out the neighborhood, strolling down the streets. Satellite dishes in the west, all eyes on the east. You are right, I am left, and what is left is right. The question is, it's getting serious, all eyes on the right. Two steps back, these times are not the best. Satellite issues in the east, all eyes on the west. 1, 2, 3, 4, on recule. 5, 6, 7, 8, et on fait les pas. 7, 8, 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 qui vont être articulés, portés par des autres enfants. Et puis, il y a des danseuses qui seront brillantes et endorées, qui vont faire la danse des robots. Ben, moi, je fais la coordination artistique. Donc, j'écris, donc je suis metteur en scène. C'est-à-dire que c'est moi qui ai mis un peu l'ordre des choses et à l'intérieur des tableaux, qui est quand même chaque fois un peu une histoire qui se passe. C'est pas juste des costumes avec des machines qui défilent. Ça, c'est juste avec des parisiens. Tu, ça le fait pas. Les réserves. Merci. Il faut pas mettre de fond, là. C'est vrai que dans la
nouvelle édition des Fieries, on veut parler de l'avenir. Et les enfants ont beaucoup d'idées sur l'avenir, qui est en fait un mélange du passé et du présent, mais remis à leur sauce. Donc je suis vraiment tombée amoureuse de cette ville, bon, pas de la ville, hein, parce que les rues et tout ça, c'est pas vraiment mon truc. Enfin, certains quartiers, c'est plus difficile pour moi. Mais la population, c'est une richesse. Les gens en veulent. Moi, j'ai participé à la première Zinoka Parade en 2000. Il fallait attirer les gens pour qu'ils participent au cortège ici. On a été, il y a 2 ans, à la première édition, dépassé par le nombre d'inscrits. On devait travailler avec 250 personnes, ils étaient 600. Donc, c'est magnifique, quoi. Madame, est-ce que je peux vous demander comment ça se passe? Ça se passe très bien. Est-ce que vous êtes en retard? Est-ce que le timing est bon? Je pense qu'on est dans les temps. Ouais. On verra bien demain, mais ça doit être presque fini, je pense. Vous êtes institutrice à la base. Exactement. Ça change. Ça change, oui. Je trouve que c'est une belle aventure pour les enfants. Quel type d'aventure? Bah, des choses qu'on ne fait pas d'ordinaire et c'est une expérience dont ils vont se souvenir une bonne partie de leur vie, je pense. Pourquoi, à votre avis? Parce qu'ils n'ont pas l'habitude de travailler avec des professionnels. C'est des activités quand même qui sortent de l'ordinaire. Ils s'investissent, même des veilles sont partis des fieries. Donc voilà. Vous les voyez changer? Certains sont motivés, oui. Il y en a qui, oui. C'est une ouverture d'esprit, moi, je vais dire. Parce que dans l'école, on pense souvent qu'il n'y a que le français, que les maths. Mais le travail comme ça en équipe, ça permet aussi d'avoir une autre vision de la vie. Ce que ça nous apporte, on les voit sur un autre jour. C'est vrai bricoleur, ça. Ils sont différents, voilà. Ça, c'est important. C'est important de les voir autrement. La fille que j'aime le mieux, la Léo. Par ça, t'es plus ouais, voilà, lui, il a été évidemment ici pour l'instant, en plus durant ces 3 jours de stage, c'est la motivation et l'envie des élèves de faire partie d'un ensemble dans leur ville, l'envie de valoriser et d'être présent dans le renouveau de leur ville. Voilà, après c'est sûr qu'il y a d'autres choses qu'on voit et qu'on ne soupçonnait pas avant de pouvoir investir les lieux comme ça. C'est l'entraide qu'il y a entre les élèves. Dans chaque ville, il y a une mémoire de la ville qui existe, qu'on n'a pas envie d'éteindre parce qu'en plus on en est fiers de cette ville, de ce qu'elle a été. Et ce qui est beau, c'est qu'on a envie d'être fiers de ce qu'elle va devenir aussi. Donc rien n'est éteint, ça s'est juste un peu essoufflé. Et donc là maintenant, on est prêt à tous redonner de l'énergie pour que ce rare trouve un visage positif, beau et pour lequel on a envie de se déplacer. Où on en est aujourd'hui, bah, beaucoup d'industries ont fermé leurs portes. Il y a eu beaucoup de manifestations ces derniers temps, beaucoup de personnes qui ont perdu leur emploi. Mais apparemment, petit à petit, ça revient et voilà. Et les fieries dans tout ça, qu'est-ce qu'elles peuvent apporter? Plein de positifs. Ne pas oublier toutes les choses qu'apporte ce rat. Ne pas oublier qu'on a la forêt, on a la nature, on a plein de choses autour dont on peut profiter, qu'il n'y a pas toujours besoin d'aller très loin
pour avoir accès à toutes ces belles choses. Comment vous voyez l'avenir? Heureux, j'espère, verdoyant. Donc, nouvelle technologie, nouvelle métallurgie, j'espère, et plein de métiers pour tout le monde, il faudrait. Je ne sais pas, parce que c'était quand même la métallurgie à ce rêve. Ben, il en reste encore un peu, mais j'ai pas vraiment d'espoir, disons, pour la métallurgie. Mais bon, voilà, il y a d'autres choses qui se créent. Donc, voilà. La vie continue et il y aura encore d'autres changements. Peut-être d'autres initiatives. Il y a les féeries, mais il y aura peut-être aussi autre chose. Voilà. Point d'interrogation. pour retourner la page, mais moi, le haut fourneau, j'en ai été personnellement truc parce que moi, mon mari y a travaillé, donc c'est un peu triste qu'on les a pris pensionnés fort jeunes tous. Ça, c'est un peu triste. Mais bon, puisqu'il n'y avait pas d'autre choix, ben, on a dû se mettre à l'animation, quoi. Tant pis. Les fériféries, c'est aussi ça, c'est de voir l'avenir de manière positive, même si effectivement il n'y a plus la métallurgie. Ça fait partie du passé de Serein et il reste important parce que c'est vraiment une richesse. D'ailleurs, elle est montrée, cette richesse, dans la parade. Mais voilà, Serein, c'est aussi autre chose. Il y a les nouvelles technologies qui arrivent à Serein et elles sont bien représentées aussi. Donc voilà, on essaie de montrer aussi ce qu'il y a de beau maintenant et dans le futur. Je pense que la page s'est tournée lentement mais sûrement. Donc ici, au moment où on réalise cette interview, on apprend le démantèlement enfin actif du Haut-Fourneau. Je dis enfin car une partie de la population vit ce monument comme vraiment une cicatrice d'une histoire sociale difficile. D'autres pas, ils voient un lieu de mémoire. En tout cas, moi, depuis que je travaille à Serein, je connais finalement peu de personnes qui sont directement concernées par la fermeture des Hauts-Fourneaux. Serein ne se résume pas aux Hauts-Fourneaux. Bien sûr, ça a fondé l'histoire, mais ce n'est pas sa seule source. L'industrie a laissé aussi toute une fierté, malgré tout. Elle a formé des gens. C'est vrai que maintenant qu'elle s'en va, qu'elle est malmenée, qu'elle est utilisée vraiment de manière insupportable au niveau économique et qu'elle laisse des traces de pollution. Alors les fériféries ne vont pas dépolluer le terrain. La ville s'en charge, la ville a vraiment prend ses responsabilités et aide le territoire à passer à autre chose. Ce que les fériféries essayent d'accompagner et souhaitent accompagner, c'est vraiment le changement social. Comme je l'ai déjà dit plus d'une fois, parce que c'est vraiment mon leitmotiv, d'aider à ce que les différentes richesses et les savoirs, les potentiels puissent éclore le plus possible. Monsieur, vous êtes où? Je suis à terre.
Voilà, et on ne bouge pas. Oh, alors il va casser tout le drapeau, on va tout recommencer. Il est trop beau ton chapeau. Là, moi je me passe un peu. Moi je n'ai pas trouvé mon chapeau. Je l'ai oublié en haut. Il y a bien tout ça. Oui. Crève. Attends, tu veux bien tourner la tête? Voilà, comme ça. Allez, grève-toi, passe à la télé. Non. Bah, tout le monde passe à la télé. C'est chiant de regarder le ciel. C'est chiant de regarder le ciel. Ouais. T'as qu'à pas regarder le ciel, tu regardes le dragon. Hein. Oh bah, je regarde le dragon, mais il y a un truc qui gêne là, il y a une éclipse. On est où ici? À l'école. À l'école de gris. Dans la cour. Il passe de sera. T'es en quelle année? Première DEF, différenciée. Et alors, vous travaillez depuis combien de temps au dragon? Un mois. Deux semaines et demie, non. Un mois. Trois semaines. Un mois et demi. Comment c'était? Super bien. Qu'est-ce qui t'a plu exactement? Bah, faire au moins le projet pour expliquer ce qu'on voudrait faire comme défilé dans la rue, comme ça montre aux gens ce qu'on fait et tout, comme comment on peut expliquer? Bah, que ça leur monte et tout pour qu'on ait bien, qu'on se sente bien, qu'on peut permettre d'être unis et qu'on partage ce qu'on fait. D'être unis carrément? Oui. Waouh, quel programme! Rien. Et comment vous êtes arrivé à l'idée du dragon? C'est Madame Smith qui nous a dit. Où elle est Madame Smith? Elle est là. Ici. En noir! En petite blonde! La petite blonde. Ok, les gars, on va coucher doucement. Madame Smith! Alors, comment vous êtes arrivée à l'idée du dragon? Le dragon, hein, non, moi c'est à la base avoir envie de les mettre dans un projet social, solidaire et participatif. Le dragon, les poissons, ça vient d'eux avec une artiste en commun, ils sont mis en travail, en discussion. Et ça, le projet c'est eux. Moi c'est l'idée de les mettre là-dedans, de la mise en place, mais après ça vient d'eux. Ok, on y va. Non, les snowbills. Non. C'est quoi, Michael? C'est bon, ça va. Voilà, alors Michel, tu as de nouveau la belle mission de guider ton groupe. Par là, par là. Vas-y, tu passes au moins 10 serpentins avant d'arriver. 10 serpentins. Alors là, ça va pas. Là, ça va pas. Stop. Là, c'est tout le groupe qui avance en diagonale. Ça veut dire que c'est comme une latte. La latte, on peut la tourner dans tous les sens, elle est toujours droite. Voilà qui, en fait, à moi ou... À ceux qui sont derrière, surtout. Donc l'idée, c'est de pas tous se déplacer comme ça, en diagonale, derrière ceux qui sont devant. Quand ceux qui sont devant tournent, on attend avant de tourner, comme un serpent, tu vois. Le serpent, il se déplace pas, c'est difficile avec une personne, mais l'idée de la latte, tu vois. La latte, elle tourne toujours tout droite, mais ça reste une ligne droite. Ici, on doit voir un truc qui ondule comme ça, d'accord? Allez, derrière, on se concentre et on regarde le dragon. Comment ils prennent les enfants au projet? Au début, un peu se demander comment ça se passait, vers quoi ils allaient. Puis finalement, au fur et à mesure, des activités qui n'ont pas été que de l'animation en classe peinture et artistique. Il y avait beaucoup de pédagogie, justement la connaissance des cristalleries du Val-Saint-Lambert, Meuse. Ils ont découvert plusieurs choses et c'est important pour eux d'en prendre conscience et je crois qu'ils en sont fiers et contents. Donc moi je le prends bien et j'espère qu'ils seront heureux et fiers d'eux après. Déjà les poissons ils sont très fiers d'eux, donc voilà, c'est gagné. On va leur poser la question, oui. Vous en êtes fiers? Oh là là, tout le monde s'en va. Amélia, c'est cassé. Bon, allez, venez les enfants. Qu'est-ce que vous retenez de ce projet, les enfants? Trop bien. Un projet magnifique. Ouais. Ma tête. Magnifique, pour quelle raison exactement? Bon, on pensait pas qu'on serait faire ça. Ça nous montre nos talents et qu'on est capable de faire des choses qu'on n'arrivait pas au départ et que aussi ça nous permet de s'améliorer dans la vie et on découvre ça, on découvre que le cours nous fait faire et c'est notre passion quoi. Qu'il faut y croire. Ouais, faut y croire. Alors vous y croyez? Oui. Ça fait plaisir quand même d'entendre ce qu'on vient d'entendre là. Oui, très. Voilà, ça vaut la peine et beaucoup d'énergie, mais l'important c'est qu'ils se sentent bien et qu'ils voient le côté possibilité plus que vraiment le côté participatif et
solidaire. Et c'est important. T'es un peu mission accomplie là. Hein. Oui, complètement. Et ça le sera encore plus, je pense, le jour de la parade. Manque juste Madame Smith. Hein. Allez, Madame Smith, venez, Madame. Vous pouvez le faire, Madame. Et Madame, appelez les autres derrière. I am left, and what is left is right. The question is, it's getting serious. All eyes on the right. Two steps back, these times are not the best. Satellite issues in the east, all eyes on the west. Shrugging shoulders all around, few ideals left. Super. C'est la fête à la vie, fais danser tes pieds. On peut avancer. Oui, ok. Sois fier, mon ami, fais danser tes pieds. Fais la fête à la vie, fais chanter les fées. On peut avancer. On peut avancer. Demain n'attendra pas si on fait pas ce pas. Sois fier, mon ami, fais danser tes pieds. La ville est en folie, fais danser tes pieds. Sois fier, mon ami, et fais danser les fées. De chemin par Roncelles, tu verras les rois. Les jardins des parcelles qui poussent là-bas. La vie qui s'est sentie te font un air si pur. Même la deuxième fois que les Fieries se produisent. J'ai entendu dire que la première fois, il y avait 3 000 personnes qui étaient venues nous voir. Il y en a 8 000 cette année. Donc, puis je crois aussi que ça a un peu permis à la population, aux Cerisiers, de voir aussi leur nouvelle ville, puisqu'on a fait quand même beaucoup de travaux et se dire, ben voilà, il y a des travaux qui sont faits, c'est nouveau, il y a les Fieries, c'est un peu un renouveau de ce rêve. Et les Fieries y contribuent. Au début, quand on est venu avec cette parade qui allait rassembler plus de 1 000 personnes et on n'imaginait pas 8 000 spectateurs, mais personne, on nous aimait bien et donc on savait qu'on faisait du bon travail et donc on nous a laissé faire, mais je ne crois pas que grand monde y croyait. Première édition remarquable, beaucoup de participants, plusieurs milliers de spectateurs, puis la deuxième édition installe complètement cette idée nouvelle qui maintenant est reprise par les uns et les autres. Et donc on n'y arrivera jamais ou ils n'y arriveront jamais, ils sont bien gentils. Maintenant, on arrive à quelque chose, c'est évident que ça doit se passer et c'est évident que ça doit être reconduit encore dans 2 ans.